La plupart des accidentés, c'est des provisoires. L'État n'a qu'à voir ce cas-là pour que les accidentés soient réinsérés dans les entreprises, pour qu'ils aient au moins une pension. Le cri de cœur des accidentés de travail. Tout leur espoir réside dans leur organisation, la FIAT M3P, Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels. Dans une perspective de mobilisation, plusieurs bureaux régionaux sont en création. San Pedro est le premier du genre, avec mission de recenser les accidentés de travail de tout le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, établir une base de données et mener le combat pour la défense des droits des accidentés de travail. Les accidentés ont tellement souffert. Il faut faire quelque chose pour que ceux-là qui ont donné leur sang pour la construction de ce pays-là, pour qu'ils retrouvent la joie de vivre. Donc nous avions à notre niveau procédé à des micro-projets que d'avenir nous allons faire. Mais tout cela sur toute l'étendue du territoire de national. Après San Pedro, les autres régions de Côte d'Ivoire seront dotées à leur tour d'un bureau local de la FIAT 3MP. Cette fédération se pose comme un cadre d'expression et de formation des accidentés de travail et malades professionnels dans leur rapport avec la CNPS. Une fois que l'accident est déclaré, que l'assuré aussi puisse venir s'informer à la CNPS afin qu'on puisse lui dire les pièces qui manquent, qui sont à compléter pour que le dossier soit traité. La Caisse nationale de prévoyance sociale, appelée à gérer les questions de licenciement, reclassement, réparation de dommages et indemnisation des accidentés de travail. Leur sentiment est qu'ils sont aujourd'hui une catégorie sociale oubliée.